Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un jeu flash super cool où on va jouer notre vie. Voilà, comme toujours les amis, je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu, une vue est égale à un like. N'oubliez pas les amis, je sors une vidéo par jour, amusez-vous bien. Et c'est parti. Alors les amis, il est temps de commencer notre vie, on appuie sur play. Alors, on va voir un petit peu les débuts. Tu es né. Ah, voilà. Alors, du coup, je suppose qu'il faut appuyer quand ça passe au milieu. Regardez, on est en train de sortir du ventre. C'est incroyable, hein. Oh là là, il a été projeté. Maintenant, à toi de parler. Ok, alors voyons voir. Ok, faut appuyer. Ok, ça va de plus en plus vite. Ah, c'est génial comme jeu. Écoutez, on va t'en parler. Ah, c'est génial. Attendez, je me concentre. Bon, ça va, c'est pas hyper dur. C'est gentil, c'est gentil. Et bah ben, voilà, on est devenu un enfant. Maintenant, étudie. Ah, parfait. Ah oui, je suis bête, ok, excusez-moi. Hop, racine de 9, 3, 5 x 4, 20. Ah, voilà. La puberté. Les boutons, pop, comment ça? Ah oui. Ah, dégueulasse. Ah non. Ah, dégueulasse, ok, il faut les éclater, très bien, j'avais pas compris. Ne faites jamais ça, c'est dégueulasse. Voilà. Un petit conseil. J'en ai pas eu beaucoup de boutons, mais je sais qu'il faut pas les éclater. C'est ce que mes parents m'ont appris, en tout cas. C'est génial ce petit jeu, hein. C'est rigolo, franchement. Il est content, ça y est. Il a un bel appareil dentaire, en tout cas, tous les clichés. Ah, le rendez-vous. Du coup, je suppose que genre... non, ouais, ok, d'accord, faut faire les bons... Il faut faire les bons choix, ouais, pourquoi pas. Je sais pas quel... Ouais, non, non, peut-être pas. Why not Dr. Zuckerberg? Comment ça? Eh, hey, mais c'est un fan de Futurama, mais pourquoi? C'est Dr. Zuckerberg dans Futurama, mais c'est un poulpe, mais on veut pas de lui. Ok, oui. It's a match. Oh là là, c'est beau. Le sport, c'est quoi le but, là? Alors ça c'est beer pong, c'est ce qu'on fait en fin de soirée, enfin je l'ai fait une fois et bon je suis pas spécialement fort. C'est drôle mais bon, attendez. En gros le beer pong les amis c'est très simple, vous visez en fait les vous visez les verres. Donc en fait c'est soit quand vous rentrez dedans en fait vous buvez, soit quand vous ratez vous buvez, ça dépend du jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attends. Ah ok on travaille, pardon. Mais dans quel ordre? Excusez-moi, boss. Excusez-moi, boss. Mais boss, je sais pas quoi faire. Boss, vous voulez ça? Vous voulez quoi, moi? Du lait? Mais qu'est-ce qu'il veut, le boss? Alors, attends. Ok, bon, en gros, il nous dit juste qu'on l'a tué. Non, mais les gars, attendez. Du café. Je sais pas, il veut quoi, mais il veut du café et du lait. Et du sucre. Ah, j'ai compris. Attendez, c'est bon, j'ai compris. Il veut du café, il veut du lait, il veut du sucre. C'est tout, voilà, tu voulais juste ça. Voilà, merci. Être marié. D'accord. Non, le costume, mon pote, le costume. Ouais. Le pantalon. Ouais. C'est bon, là, non? La cravate? C'est quoi, ça? Mais pourquoi on a fail? On a été trop bon, avouez qu'on a été bon. Ah, ces chaussettes! Vous allez me tuer, c'est ces chaussettes. Ah là, on est mariés. Avoir des enfants, parfait. Encore! It's a boy! C'est des jumeaux! Des triplés! Des quadriplés! Alors ça, c'est pas possible. Voiture. Travel ticket. Ticket de voyage. Ah mince, faut que je les mette... Il faut que je les... Je suis désolé. Il faut que je les mette dans le casier. La voiture, c'est bon. Ensuite, ouais, je crois que c'est des poids, logiquement. Ouais, c'est du poids qu'il veut. Et ensuite, il veut son ticket pour partir en voyage. C'est génial, ça. Parfait. Voilà, la belle vie. Alors, il faut éduquer les enfants. Drag and drop. Comment ça? Drag and drop, mais... Ah, c'est la grand-mère qui garde les enfants, très bien. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites? Eh, mais vous êtes dangereux comme enfant, hein. Ils veulent se tuer, quoi, genre. Non! Ok, c'est bon. Restez en bonne santé. Ah, c'est hyper dur. Ok, c'est parce qu'on est vieux, c'est hyper dur. Non, c'est hyper dur! Il a aucune précision! Ah, ça va, on a du temps. On a du temps. Ah non! Mais je fais n'importe quoi! Le truc est à l'envers! Je sais pas que les jeux comme ça étaient aussi drôles là-dedans. Et voilà, je peux pas ramener le truc. Je ne peux pas, les amis. Écoutez, on va tricher, on va voir si ça passe. Ok, bon, ça passera jamais. Allez, on refait une petite session. Ce jeu est très drôle. Allez.
On se concentre, on commence par celle-ci. Non, bon, en douceur, s'il te plaît. En fait, il a... Je sais pas comment expliquer, la sensibilité est bizarre, c'est parce qu'on est vieux. Voilà. Non mais bon, mais... Mais pas les deux en même temps. Mais mec, ça reste coincé dedans. Allez. C'est une catastrophe, ces pilules, mesdames et messieurs, c'est une catastrophe, je suis navré. Ah. Je sais pas comment on l'a eu, mais on l'a eu. On n'aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps. On avait le time, hein. Allez, on fait n'importe quoi, c'est parti. Allez, allez, c'est notre petit point faible, on se concentre. Oh, mais arrête, mais il est trop maladroit, il est trop maladroit. Là, je bouge pas la souris. Regardez ma souris. Regardez ma souris comment je vais doucement. Oh, mais arrête de faire ça, bro. Ok. Non, mais s'il est vieux, il devait faire ça pour prendre leur médicament, ça fait longtemps qu'il serait plus là, quoi. Avec une précision aussi, aussi nulle, ça fait longtemps qu'il serait mort, hein. Ok. Ah, c'est bon, il est content. Mourir. Ah ouais. D'accord. D'accord. Comment ça, pourquoi j'ai un temps limité là? Je suis censé faire quelque chose? Non mais c'est bon. Comme si j'avais besoin de faire quelque chose pour mourir, quoi. Ok, c'est sympa. Alors ça dit qu'apparemment la vie apparaît quand on... Ah oui, quand on est sur le point de mourir, la vie réapparaît en fait. Vous voyez, vous revivez votre vie à l'instant express. C'était vraiment sympa ce petit jeu, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça m'a donné envie de jouer en fait à un autre jeu Flash, et du coup j'ai trouvé le jeu parfait, Afterlife, donc après la vie, voilà. Donc une fois qu'on est mort, on recommence directement ici, c'est parfait, non? Alors d'ailleurs, c'est le même style de musique, c'est parfait, voler. Ah, c'est bien, du coup on est mort, hein, voilà, c'est parfait, mais du coup c'est parfaitement RP par rapport à ce qu'on vient de faire, vous voyez? Non, non, non mais, c'est exactement le même style de jeu, c'est trop marrant. Attendez, ça a été conçu par les mêmes mecs, non mais, je comprends pas. Regardez, il réagit pas à ce que je fais, mais fonce pas dessus. Maintiens. Ah, oh, je suis bête, c'est comme un Flappy Bird, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, bah je connais pas les décors, donc je vais doucement, histoire de découvrir la map un petit peu. Oula, oula. Ok, la lumière, c'est bon. Nice. C'est génial, on va bien se marrer. Protéger. Alors, voilà, donc c'est notre fille, on la protège. Comment on la protège? Alors, attends. Revenge. Comment ça? Faut se venger? Je comprends rien, bon vas-y. Lâche, mais attends. Lâche, faut mettre là et lâcher. Bah ça le tue pas. Ça ne lui fait absolument rien. Ah! Je comprends rien. Ah, on a gagné? Ok, on a gagné. Joue! C'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue à FNAF? Mais c'est comme ça que tu joues à FNAF en tapant sur un clavier imaginaire? Très bien. Voilà. Enfin, ça m'a pas fait peur parce que je m'attendais pas, mais je pense que vous avez flippé. Comment ça? Mais arrête! Ah, c'est parce que j'ai arrêté de cliquer! Ok! Fais les rires! What's... Ok, excusez-moi, c'est le temps de traduire la blague en fait. Attendez, la blague c'est qu'est-ce qui est vert, drôle, et qui tombe d'un arbre pour te tuer? Un rhino? Ok. Bah écoutez, je sais pas moi. Ok, une table de piscine. Quelle est la différence entre un bonhomme de neige et un bonhomme, enfin, et une femme de neige? Ok, je vous expliquerai pas cette blague. What do you call Mexican ring de mayonnaise? Oh mais c'est raciste. Cinco de mayo. Comment s'appelle le producteur de lait? Ta maman. Non? Mais arrêtez, c'était très drôle. Bon, c'est le pool table. Ensuite, snowball. Ensuite, le truc raciste. Boobies. Ah ouais, d'accord, ok. Je vous explique pas ça non plus. Comment tu appelles un mouton sans aucune jambe, pardon? A flappy bird, a goat, a cloud. Ouais, genre c'est un nuage. Oh là là, c'est énorme. Un nuage, hein, parce que vous voyez un mouton sans jambe, évidemment c'est un nuage. C'est l'heure de faire la fête, ouais, ouais, ouais. J'adore ces jeux-là, c'est marrant, hein. C'est le plaisir de fonctionner un peu comme Minecraft pour changer un petit peu, c'est cool. Faut savoir que je joue à plein de jeux en dehors de Minecraft, hein. C'est juste que je ne filme pas. Hein. Voilà. Je pourrais vous le montrer d'ailleurs, vu que je peux filmer mon écran, je vais vous montrer un peu les jeux que j'ai. Voilà. On est chaud. Genre, je suis concentré, désolé, je connaissais pas trop parce que bon voilà, vous avez compris le principe, j'appuie quand. Non! J'ai raté une fois! On m'a arrêté! Mais c'est quoi ce jeu? Mec, mais ce jeu il est horrible! Ce jeu il est horrible. J'ai raté une fois. Vous vous rendez compte? Une fois.
Allez. Eh mais c'est pas facile hein, même avec la souris comme ça, c'est juste. C'est Guitar Hero mais en version beaucoup moins fun quoi. Voilà, j'ai failli rater, vous avez vu. Vous avez pu assister à une presque mort. S'il vous plaît, c'est bon. C'est pas que j'ai pas envie de tout recommencer. Ah oh oh. Champion. Encore. Tu bois. Attendez, j'essaie de. Oh là là. Ah oh, mais c'est vrai qu'il faut pas renverser, j'ai oublié. C'est ça qu'il faut pas. Faut pas renverser, il faut mettre la balle. Eh, hey, tu l'as fait pendant que t'étais vivant, mon pote. Il veut pas perdre. Non. Oh oui. Oui. Mais perds un petit peu. Ah mais. Ah mais excusez-moi. Excusez-moi. Mesdames. Ah il a raté. J'ai gagné. Non mais j'ai gagné mec. Ce jeu est très très vilain. Oh s'il te plaît. Ok c'est bon. Habille-toi. Alors nous sommes morts mesdames. Deadpool. Deadpool obligé. Quoique c'est pas vraiment Deadpool en fait. Je dis ça. Quoique si si si. Fabuleux. Parfait. Collecte. Collecter quoi? En fait c'est jamais clair les jeux comme ça. Je comprends rien. Je comprends rien. Oh je suis bête. Oh, voilà. Alors va par là. J'ai compris. Vite le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. 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 Il ne passe pas par là. Ok allez passe par là. Dépêche-toi bro. Dépêche-toi. T'es un peu lent pour un Deadpool. Oh non je le savais. Je le savais. Je me suis dit trop facile. Vous êtes d'accord? C'était trop facile. On est d'accord. Allez on recommence. C'est pas grave. On est chaud. Allez chocolat. Va chercher ton chocolat. Allez fonce 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 fonce. Mais bon fonce. Ok. Choco c'est bon. Demi-tour. Enfin mais vous avez vu le temps qu'il met. Mais non mais c'est pas. Il est sorti du décor le mec quoi. Genre. Allez allez allez. Vas-y 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 vas-y. Oh, s'il te plaît c'est trop dur. Arrêtez. Tu vois que c'est le dernier truc. S'il vous plaît. Non ça c'est pas le dernier. Je le savais. Je le savais. Non mais c'est trop dur. C'est hyper dur. Allez vite 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 vite. Fonce. Non. Ne vous avez pas le droit. Non non ne vous avez. Non. Arrêtez. Arrêtez. Mais c'est pas dur. Je commence à comprendre. En fait faut maintenir le clic. C'est bien plus rapide. Vous voyez. C'est bien plus rapide de maintenir le clic. Mais ça ne résout pas mes problèmes pour autant. Dépêche-toi. 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 J'ai l'impression qu'il met une antiquité à chaque fois. Ça veut rien dire. Il met une éternité. Voilà, je me disais, c'est pas du tout le mot que je cherchais. Dépêche-toi. Vite. Vite. C'était dur. Hein. Faut faire quoi là? Ah oui. Ah oui, les bonbons à gauche et ok. Il y a vraiment n'importe quoi dans ces trucs. Hein. C'est bon, hein? Nice. Alors je sais pas ce que ça veut dire, on va comprendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Drag. Alors vous voyez je comprends rien. Parce que je vois rien, je vois pas plus que vous, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut appuyer sur les trucs? Ça? Non c'est pas ça. Bon les amis c'est bugué, c'est un peu dommage hein. Donc voilà vraiment dommage. Donc du coup je vous montre la solution parce que ça c'est la solution. En fait ça c'est la vidéo solution qui nous montre ce qu'il faut faire. Regardez en fait on est censé voir ça et nous c'est tout noir voilà. Donc vous voyez en fait on est censé avoir le petit bonhomme ici et esquiver les obstacles vous voyez comme ça. Et du coup réussir à atteindre en fait de l'autre côté. Donc c'était relativement dur, dommage qu'on ait pas pu le faire parce que c'était drôle, ça avait l'air drôle. Mais voilà c'est moi ça reste noir donc je pense que c'est un problème de navigateur. J'ai recommencé de A à Z et ça a rebloqué au niveau de... Enfin c'est resté noir donc ça m'a saoulé. Parce que j'ai pas eu la foi de le refaire encore une troisième fois sur un autre navigateur pour voir si c'était ça. Donc du coup voilà la solution. Donc là c'est une vidéo, c'est pas moi qui joue hein. C'est pas moi qui joue, on voit que c'est une vidéo. C'est la solution en fait. Et voilà du coup donc on regarde un peu ce qu'il veut faire. Aller en paradis, aller en enfer. Du coup on peut aller au paradis, je pense qu'il va prendre ça, ok. Sympa. Du coup là ce qu'on aurait dû faire, on dit ah oui c'est assez... Ah oui d'accord. Bon ça va, on a manqué des moments d'orage intense. Mais en tout cas on a vu quand même comment ça se terminait, c'est cool. Donc là on atteint le paradis, sympathique. Pourquoi est-ce qu'il... C'est marrant. Il glisse. On dirait qu'il glisse. Ah mais oui, regardez, faut appuyer au milieu au bon moment en fait. Voilà, faut plus moment. Voilà. Même le mec qui a fait la solution ne savait pas comment il fallait faire, quoi.
Ah, le génie. Ah, c'est très drôle. Allez, mon grand, tu peux y arriver. Il reste combien de temps de vidéo? Ouais, pas longtemps. Il reste genre une trentaine de secondes. Donc voilà ce qu'on se serait tapé, les marches du paradis. Dommage, hein, je me serais bien amusé, mais bon, voilà, ça bug, je peux rien y faire du coup. Mais comme ça, on voit quand même la fin. Voilà, on arrive au paradis, au portail du paradis, les amis. Allez, Stairway to Heaven, hein. Une sacrée musique, j'ai envie de dire. Allez, allez, tu peux y arriver. Et voilà, bienvenue au paradis. Et c'est comme ça que ce serait terminé la vidéo. Bon voilà, du coup les amis, c'était sympa. J'ai testé deux petits jeux flash pour changer un petit peu de d'habitude. Je voulais vous montrer un peu mes jeux, tiens, parce que je vois pas souvent mes jeux quand même. Bon, alors je voulais vous montrer un peu mes jeux parce que je joue pas qu'à Minecraft, sauf que je filme que du Minecraft, hein. Donc, bien évidemment, nous avons League of Legends. Bon, ça, c'était vraiment ma période. League of Legends, c'était plus en 2014, pour être honnête. Là, j'avoue que j'y joue moins, juste à l'occasion avec des potes. Mais une période en 2014, quand tous mes potes jouaient, même dans ma classe, ça jouait à mort. On jouait tous à LOL, c'était vraiment trop fun. Sinon, bien sûr, bah, jeu de zombies, genre Dying Light, qui est excellent, c'est un excellent jeu de zombies. Donc, j'y joue avec Elouane. Voilà, on filme pas, on joue pour le plaisir. Dead Rising 3, qui est aussi un jeu de zombies, mais ça, c'est plus corps à corps, ça, c'est vraiment fun, où vous tuez des centaines de zombies. Ça, c'est vraiment 100% fun, vraiment très très cool. Normalement, génial, je vous les conseille. Business Tour, alors, c'est un espèce de Monopoly. C'est pas vraiment Monopoly, c'est un Business Tour. Donc, j'ai vu chez Nakataraty, j'ai trouvé génial. Et j'y joue avec des potes. Donc, quand j'avais des potes chez moi, on joue ensemble, et c'est génial. Les amis, avec des potes, franchement, je crois que c'est le meilleur jeu que j'ai jamais vu avec des potes de toute la planète. Tomb Raider, j'ai fini il y a pas longtemps, il est très bon, donc c'est le dernier. C'est le dernier jeu, donc il est vraiment excellent. Batman aussi, alors Batman il date de 2015, je voulais me le faire parce que ce jeu je l'avais vu chez Fanta en let's play et je me suis dit faut que j'y joue. Et il est vraiment génial, hein, je vais pas vous mentir, il est incroyable. Ça j'ai joué avec Oximos, bon on en joue pas souvent à Ghost Recon, on l'a acheté ensemble, il a pas le temps de jouer, du coup en ce moment on n'y joue pas mais on compte le finir. Alors Half-Life c'est un vieux jeu les amis, c'est un vieux jeu d'attaque de d'alien, c'est vraiment génial. Et ça c'est sa nouvelle version en fait que j'ai acheté sur Steam, ils ont fait une nouvelle version de fan. Qui, alors je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez pas mais franchement... Tapez Half-Life, regardez les let's play ou allez jouer parce que c'est un jeu incroyable. C'est un jeu qui est sorti en 1999, c'est une antiquité, j'avais 3 ans. Et il est franchement génial, je peux pas vous mentir. Hop, nous voici sur Uplay. Donc oui, je monte pas tout, pas vous voyez mon pseudo parce que vous allez me spam mes messages. Je sais pas que je vous aime pas, mais vous allez m'envoyer plein de messages. Donc je préfère tranquillou filmer qu'une petite partie. Donc voilà, comme j'ai dit, Ghost Recon on l'a acheté avec Oximos, on y joue ensemble. Donc on ne joue pas trop en ce moment parce qu'il est occupé, mais on va le finir, vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis un grand fan des Assassin's Creed et des Far Cry, vous pouvez le voir. Hein. Donc ça, c'est un jeu à la base qu'on t'ai pas acheté, c'est un pote qui m'a dit qu'il était marrant et il est vraiment marrant. Donc voilà, j'ai Far Cry 3 aussi que j'ai acheté en DVD à l'ancienne. Hein. Donc voilà, j'ai Far Cry 4, Far Cry Primal qui sont excellents. Faut que j'achète Far Cry 5, j'attends un pote pour y jouer en coop parce que c'est un jeu qui joue à deux, je trouve, donc j'attends un pote. Sinon vous voyez que j'ai tous les Assassin's Creed, enfin j'ai Origin, j'ai Syndicate, après j'ai les autres aussi etc, mais que j'avais acheté en DVD avant donc je les ai pas sur Uplay directement. Et vous avez vu, vraiment vraiment trop cool hein. Pour le coup les amis ils sont vraiment super sympas, donc je vous conseille les Far Cry maintenant, c'est vraiment des excellents jeux d'action, on va pas se mentir. Et Assassin's Creed le dernier était vraiment surprenant, c'est pas mon préféré mais il était franchement bien. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, donc je te l'ai montré quand même que j'ai pas une GTX 1080 Ti pour jouer à Minecraft, parce que bon, il y a certains qui aiment bien dire ça pour rigoler alors que bah c'est 100% faux. Je joue pas à Minecraft, au contraire, ce qui est drôle c'est qu'en dehors des vidéos, je ne joue pas à Minecraft, hein, ça vous le savez pas, mais quand je ne règle pas, je ne joue pas à Minecraft pour le plaisir, pour pas me lasser justement, pour pas que ça me saoule. Donc dès que j'ai fini ma session de règle, bah je pars sur d'autres jeux. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai que ça vous fait plaisir quand on vous montre un peu les trucs, etc. Et puis même si montrer un petit peu mes jeux, ça me fait plaisir. Bon voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas, je sors une vidéo par jour, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.